Transformers, more than meets the eye. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel tour d'un jeu sur A Virus Named Town. Encore une fois, c'est magique, il y a zéro option. Si on peut monter et descendre un peu le son, mais c'est tout. Il y a quelques extras, mais on va pas les regarder. Et on va partir tout de suite sur le single player story, sans attendre plus longtemps. Et on commence par une super cutscene où quelqu'un est content en faisant des super trucs qui permettaient de d'améliorer la vie de tout le monde. Et voilà, Globotron n'est pas profitable. Oh mon dieu, ne permet pas de faire d'argent. Et je te vire. Et donc du coup lui est pas content et fait plein de calculs qui ressemblent à pas grand chose. En fait je ne reconnais rien dedans je crois. Et donc le Dr X, très bien nommé d'inventeur de plein de trucs sympas, a créé Tom. Le petit virus Tom. Donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va revenir au premier niveau. Et on va se refaire le tout premier niveau sur lequel on arrive. Hop. Et donc ça explique l'idée du jeu. C'est il faut partir d'un point de l'infection et amener l'infection sur tout le circuit. Donc c'est assez simple. Et on explique qu'on bouge comme ça. On utilise A ou espace pour tourner le bidule. Et le virus peut partir quand tout est infecté. Et après, il envoie Tom à infecter tout le monde. Donc, infectons avec Tom. Et nous avons infecté. Hop, j'ai un peu amélioré mon score d'ailleurs. C'est marrant. Puis après, on passe au suivant où il y a un peu plus de complexité. Mais rien d'énormissime puisqu'il suffit juste de faire ça. Et ça. Et voilà. Alors lui... Hop, on va sauter le suivant, on va aller directement là. Où il y a des... Attends, oui, c'est bon. Je regardais juste si j'avais tout. Où il y a des petits trucs qui cassent Tom quand on les voit. C'est terrible. Mais Tom a une défense. S'il pose un truc comme ça, il infecte le virus. Et il a des petites expressions faciales assez marrantes. Où son œil, si on suit bien, regarde les virus. Et quand on en déboîte, enfin les virus, les défenses, et quand on en déboîte un, hop, il est tout content. C'est assez drôle. Comme système. Donc là, lui, il faut donc le mettre ici. Lui, il faut le bouger comme ça. Et lui, il suffit de le tourner comme ceci. Et nous avons infecté tout. Et ce qui fait qu'on peut passer à la suite un petit peu pour regarder à quoi ça ressemble et à découvrir quelques mécaniques de jeu un peu plus intéressantes. Notamment ici où Megatech Corporation Incorporé envoie un mail à Tom, parce que c'est normal, hein, tous les virus ont des boîtes mail, en disant qu'il... Enfin là, le niveau précédent, c'est le Pet of the Future, qui est un chien qui ne fait rien, en fait. Enfin, qui fait que chien, sans avoir aucun inconvénient. Donc rien à ramasser quand on va le promener, pas le nourrir, etc. Et là, bah... Je l'ai complètement infecté, complètement détruit, et donc ils ne peuvent plus les produire. Mais leurs scientifiques ont créé une encryption qui m'empêche de voir les pièces. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'une fois que je les ai infectées, je les vois quand même. Donc du coup, c'est pas très compliqué pour moi. Hop. Voici. Lui, il faut sûrement le déplacer comme ceci. Lui, on... Ah. Ah, mais si c'est un... Si c'est une partie comme ça... Non. Attends, que j'ai peut-être l'occasion... Pas du tout. Ah bah oui, forcément, puisque si... Et dire que je l'ai déjà battu plusieurs fois.
Non, oui, c'est complètement idiot. Il faut que je pose ceci, il faut que je mette celui-ci comme ça, que je pose celui-ci comme ceci, que je pose celui-ci comme cela, et que je mette ça comme ceci, et ceci comme cela. Et donc ici, ça doit être tout à fait symétrique. Pas du tout. Mais c'est pas grave, puisque là, c'est comme ça. Et donc, si c'est comme ça, en fait, il suffit que je retourne celui-ci, que je tourne celui-là, que je tourne celui-ci. Et je t'ai quand même encryptationné! Et après, on va aller voir celui-ci pour terminer un petit peu. Là, c'est encore mieux. Et on peut créer des... Enfin, là, il me parle des glitches, mais... J'avais déjà parlé des glitches en donnant les glitches. Et quand on glitch quelque chose, là où il y a des araignées, ça fait boum! Et c'est assez ma... Ah, ah bon, voilà, ça c'était prévisible. Hop. Oui, là je fais un peu n'importe quoi, c'est vrai. Il faut... Oui. Boum. Hop, hop. Et pourquoi j'ai fait ça ? Non, juste comme ceci. Je me suis jeté dedans, mais vraiment complètement. Hop. Et voilà. Mon score est minablissime, ne le regardez pas. Et donc je pense que ça doit être celui-ci qui doit être assez intéressant. Effectivement. Donc là, comme un problème, il n'y a pas de source d'infection. Mais pour Tom, ce n'est qu'un faux problème. Puisqu'il est assez simple de faire, par exemple, ceci, et je me suis suicidé lamentablement. Ici, c'est pareil, en faisant ça. Hop. Presque. J'ai cru que j'avais un tout petit peu plus de temps. Et on voit la petite barre en haut. 271, 270, c'est l'énergie de Tom, le petit virus. Quand ça tombe à zéro, Tom, le petit virus, n'a plus d'énergie. C'est fou comment on peut être mauvais quand on discute en même temps de faire quelque chose. C'est affolant. Hop, donc je vais tourner ça et tourner ça. Et là, je vais placer un glitch ici. Et paf, le fait de les exploser crée de l'énergie. C'est assez marrant. Et c'est vraiment très très drôle. Et franchement, c'est... Enfin, je vais pas aller beaucoup plus loin. De toute manière, sur cette partie-là, je l'ai pas débloqué beaucoup plus loin volontairement. Pour laisser la surprise des puzzles de derrière. Où il y a quelques autres mécaniques encore qui apparaissent et qui sont vraiment vraiment très drôles. Et... plutôt intéressante en termes de gameplay sur un jeu de puzzle. C'est assez marrant, ça reprend beaucoup de mécaniques qui existent déjà, mais des fois un petit peu améliorées. Derrière, on voit que on infecte toutes les inventions un petit peu de qu'a créé Dr. X avant de se faire virer de Mega Corporation de la ville du futur. Franchement, c'est un très bon jeu, de très bon petit jeu de puzzle, disponible sur Steam et sûrement d'autres plateformes. Et franchement, si ça vous intéresse, allez-y, puisque c'est quand même assez... c'est même vraiment très marrant. Hein. Le soundtrack est pas mal aussi. Allez, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, etc. Et très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!